Il n'y a pas de gâche chez Diallo. Tu n'as pas quoi chez Diallo? Tante, il n'y a pas de gâche chez Diallo. Et pourquoi que tu allais te promener? Tante, pourquoi tu as gaz? Mais pas cette couleur-là chez Diallo. Attends, je ne te comprends pas. Il n'y a pas cette couleur là-haut. Mais va chercher ailleurs. Excuse-moi, tante, j'avais oublié. Ah. Et puis avec le soleil, là, c'est difficile de marcher pour aller loin là-bas. Ah, d'accord. Donc va te mettre au charbon et puis tu prépares vite. Tu connais ton nom. Quand il a faim, il a le comportement d'un fauve blessé. Hé, hey, tante, préparez-y du charbon. Je suis fatigué. Les dieux, de quoi s'agit-il? En fait, il a été constaté dans de nombreux pays que l'argent du pétrole, du gaz et des mines suscite beaucoup de conflits à cause des détournements et de la corruption. La plupart des pays, surtout africains, où il y a le pétrole, le gaz et l'or, sont très pauvres. Puisque l'argent qui devait servir à la construction des écoles, des universités, des hôpitaux, des routes et l'électrification, et quoi d'autre encore, soit utilisé à d'autres fins. Ça, ce n'est pas une malédiction ça? Comment Dieu te donne pétrole, or, et puis tu es pauvre? Et monsieur, parlez doucement. Justement mon frère, il ne faut plus avoir peur. Maintenant, tout doit être clair. Oui, c'est une vraie malédiction. Cette malédiction, c'est parce qu'il n'y a pas de transparence. Nous ne savons pas combien les entreprises qui produisent le pétrole, le gaz et les mines versent au gouvernement. Parle, mon frère. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on appelle l'initiative pour la transparence dans les entreprises extractives, ITE, qui permet d'éviter cette malédiction. L'ITE regroupe à son sein les gouvernements, les députés, les maires, les entreprises qui produisent le pétrole, le gaz et les mines, mais aussi et surtout la société civile, c'est-à-dire les ONG, les journalistes, les syndicats. Elle demande aux entreprises de publier combien elles versent et au gouvernement de dire à la population combien ils gagnent. Depuis 2008, la Côte d'Ivoire est dans l'ITE. Elle a donc créé un conseil national ITE pour mieux comprendre ce qui se passe dans le secteur du pétrole, des gaz, des mines et de s'impliquer efficacement à la gestion des ressources nationales. Donc, chaque année, le conseil national ITE doit dire dans un rapport ce que la Côte d'Ivoire a produit et gagné au niveau du pétrole, du gaz et des mines. Le but de cette réunion, c'est de vous présenter les rapports ITE 2008, 2009, 2010. Monsieur Couton, oui. Vous avez la parole. Merci, monsieur Guadio. Il faut dire que cette année, ça n'a pas été facile à cause de la crise qui a frappé notre pays. Cette crise qui a failli coûter à la Côte d'Ivoire sa radiation des l'ITE parce qu'elle a empêché l'élaboration des rapports ITE 2008-2009. Hé, Atomoli. Hé, Moni. J'ai entendu des voix, je voulais voir qui c'est. C'est moi. Je disais à ta fille qu'en ce 21e siècle, vous continuez de respirer la fumée et salir votre maison avec du charbon. Et pourtant, c'est toi qui n'arrêtes pas de me dire à longueur de journée que ton mari travaille dans le domaine du pétrole, du gaz et enfin. Ça, c'est parole des jaloux. Moi, jaloux. Il y a des détails même que tu oublies. C'est que Coutoua est aussi dans le domaine de l'œil du diamant. Je vais te dire. Bref, moi-même, je ne comprends pas. On dit notre pays produit du gaz. Mais ma chérie, pour trouver gaz, oh. Je vais poser la question à Couteau. Il faut qu'il me dise que c'est qui le bâton. En tout cas, il n'a qu'à faire une aussi, on bénéficie un peu. On t'a pas dit quoi, on travaille dans le domaine du gaz. Là. Que chaque soir doit venir avec du gaz à la maison. Chaque soir va venir avec du pétrole à la maison. Chaque soir va venir avec de l'essence à la maison. Non, non, en fait, moi je vais sentir, c'est un peu quoi, c'est tout. Attends, toi-même, ton mari, là, il fait quel travail? Attention, hein. Mon mari est pilote d'avion. Je comprends pourquoi il vient avec un avion chaque soir chez vous à la maison là-bas. S'il te plaît, c'est pas à cause d'amusement là que tu vas mal me parler. De toutes les façons, je suis passé voir à quel moment vous partez au village, c'est tout. Mais il fallait commencer par là. Ma chérie, pardon, à chaque fois, le temps que je finis. Bon, avec ce que je vois, c'est bon, ça va. Donc, tu vis notre feu. Adrienne. Adrien, j'arrive. Tu m'aider à mettre les derniers bagages dans le. Tu sais qu'il y a du travail qui m'attend au village là-bas et tu es en train de perdre du temps comme ça. Chef, pardon. Pour moi, monsieur est en congé. On va au village pour prendre des moments de bonheur. Je ne savais pas que c'était avec. C'est pour toi, ils ont construit un conseil national et tu là. Julie. Oui, t'as dit, j'arrive. Bon, je t'ai dit qu'on va au village.
On en a pour 2 semaines. Donc quand Julieta est plein, je t'ai donné de l'argent. Faut pas aller prendre crédit chez Galway. Ok, à bientôt. Au revoir, tante. Mmh. Encore eux. Bonjour, madame. Bonjour, oui. Tu m'avais promis les rapports ITIE 2008, 2009, 2010 et d'autres documents pour comprendre un peu cette histoire de ITIE. Ah oui, c'est vrai. Merci pour votre participation à notre campagne. Toute l'équipe vous en sera reconnaissante. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Toi aussi. Non mais moi je ne comprends pas les gens quoi. Il y a de bonnes nouvelles comme ça dans le pays et personne n'est au courant. Chérie, le document là me dit quoi? Attends, tu t'amuses ou quoi? Ah, je m'amuse comment? Mais sur quoi tu te bases pour dire qu'il y a de bonnes nouvelles au pays et personne ne sait? Je ne fais que répéter ce que tu m'as dit. Ah ouais, entre toi et Adrien, on ne sait pas qui est mieux. Et si M. Kofi économisait ses injures pour m'expliquer calmement ce que c'est que le CNIT? Ok chérie, nous allons parler en amoureux et tu vas comprendre que c'est facile. Hein? Ah, wow. Quand tu me parles gentiment comme ça, il n'y a rien de tel. Ah, bien dur, non? Oui. Tout est cher. Et pourtant, nous produisons le cacao, le café, l'EVA et même... On va rester dans le cadre de CNIT. Bon, comme tu veux. La Côte d'Ivoire produit du pétrole, non? Ah, mais ça là, tout le monde sait ça ici. Et pourtant, on n'utilise pas le pétrole que nous produisons ici. Comment ça? Dépêche-toi. Quand les gens finissent la débarrasser en même temps, voilà une qui traîne les pas là-bas, on dirait, je vais passer ma vie ici avec elle. Alors, qu'est-ce que tu prépares pour l'arrivée de nos invités, ma soeur? Toi, faut pas m'énerver. Faut même pas m'énerver même. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est toi qui devrais être heureuse. Je vais être heureuse pour quoi? Qui arrive ici et puis je vais être heureuse? Adrienne, je m'en fous d'elle. Voilà. Adrienne est ta cousine. C'est parce qu'elle t'aime tellement que tu as voulu lui arracher son mari. Heureusement que Coutouin s'est vite ressaisi. Non, laissons tomber. Ce que je te demande, c'est de te réconcilier le plus rapidement possible avec elle dès son arrivée. Adrienne n'est pas en palabre avec toi. Coutouin, voilà, allons. Tu sais chérie, le pétrole que nous avons ici, comme on n'a pas assez d'argent, l'État a signé des contrats avec des entreprises étrangères en collaboration avec Petrosi. Et elle est une entreprise de Côte d'Ivoire. Quand ces entreprises étrangères viennent extraire notre pétrole, elles donnent directement la part de la Côte d'Ivoire à Petrosi. C'est un peu comme Abusan dans la plantation café cacao. Petrosi vend la part de la Côte d'Ivoire et verse l'argent au trésor. C'est la CIE qui achète le pétrole brut dans d'autres pays, le raffine et le met à la disposition des consommateurs. Aïe, mais ça c'est qu'elle a fait ça. Comment on produit le pétrole? On le vend ailleurs et on prend l'argent pour acheter encore du pétrole? Tout simplement parce que notre pétrole est léger. Mmh. Alors que la raffinerie que nous avons ici est adaptée à la transformation du pétrole lourd. Mmh. Voilà, il va donc falloir construire une raffinerie adaptée à la qualité de notre pétrole. Et moi qui croyais que mon chéri n'était seulement fort que dans la conduite de l'avion. Oh. Je ne fais que traduire ce qui est dans le livre. Hein. Voilà. Il y a même des bureaux qui ont été créés depuis 2008. C'est là-bas que travaille M. Coutouin, le mari d'Adrienne. Non, le monsieur, c'est un grand type de... Adrienne n'a pas menti alors. Il travaille dans le pétrole, mais quand tu le vois là, il est simple, humble comme ça. Oh, ce sont les tonneaux vides qui font toujours du bruit. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Coutouin, Coutouin. Donc si je comprends bien, ITIE, c'est pour la Côte d'Ivoire là qu'on appelle CNITIE. Et la loi dit que le pétrole, le gaz, le fer, l'or, le diamant, en fait, tout ce que notre sous-sol renferme appartient au peuple de Côte d'Ivoire, qui a confié la gestion au gouvernement. Et puisque le gouvernement travaille pour nous, il a donc l'obligation de nous rendre compte à chaque fois de ce qu'il gagne. C'est pas ça? Tiens. Je ne te savais pas si doué. Formidable. Bravo. Merci. En tout cas, vous les hommes, vous verrez nous les femmes occuper les 2/3 du gouvernement. Chez nous ici même, on risque de dépasser 50%. Non, pardon. Ça va.
Pour le moment, on a un itier. Ok, les filles, allez-y, servir le groupe là-bas. Je vais m'entretenir avec votre maman. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Ça va, Akuba? Ça va. Tu veux chanter? Comment t'as su? On se connaît. Quand tu viens, mine serrée, puis après tu deviens gentil. C'est que tu as envie de chanter. Ah, Akuba. Je veux savoir. Tu as toujours ta guitare? Merci, toi. Toujours. D'accord. On va faire une surprise au groupe. Ah bon? Si. Je vais chercher la guitare. Ah, Akuba. Oh, tu as gâté. Pour ma retraite, j'essaie d'organiser les parents et créer une cohésion entre eux et les sociétés d'extraction d'or pour que le village et la région, toute la région, bénéficie des retombées. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Ah. Mais est-ce que tu sais que la Côte d'Ivoire, depuis 2008, est entrée dans un comité international qu'on appelle Initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE? Non, ça, je ne sais pas. De quoi s'agit-il? C'est ce comité qui se fait aider par un cabinet international. Il recueille les informations avec preuve à l'appui et auprès de chaque entité gouvernementale ou privée sans parti pris. Est-ce que tu crois que ce truc-là va marcher dans notre pays? Oui, ça jamais. Bien sûr que oui. La Côte d'Ivoire a adhéré à cette affaire de ITIE depuis 2008. Et cela fait qu'on appelle aujourd'hui pays candidat à l'ITIE. Son conseil national est composé des représentants de l'État, des sociétés d'extraction et des populations. Et ce comité, chaque année, nous donne des informations sur combien on a produit et combien la Côte d'Ivoire a gagné. On espère bien que les informations que l'ITIE nous donne sont bien vérifiées. En tout cas, je vous l'ai dit, ce comité s'est fait aider par un cabinet international qui connaît très bien ce travail. Il ne travaille pas pour l'État ni pour les privés. Il fait une comparaison des informations recueillies de part et d'autre concernant des quantités données et reçues. Ce cabinet se rend dans toutes les sociétés et leur demande la quantité de pétrole, de gaz, d'or qu'elles ont donné à l'État, avec les preuves à l'appui. Ensuite, il se rend dans toutes les structures de l'État comme Petroci, Sodemi, Trésor, Impôts, pour qu'à leur tour, elles disent combien elles ont reçu de la part de ces sociétés pour le compte de l'État avec preuve à l'appui. Là, c'est bien. C'est ce qu'on appelle la vraie transparence. Mais ce n'est pas tout. Les structures de l'État ne doivent pas savoir ce que les sociétés privées ont déclaré et vice-versa. Ensuite, le comité fait une comparaison des déclarations. Et c'est ce qu'on appelle la conciliation. Et chaque année, toutes ces informations doivent être consignées dans un document appelé rapport de conciliation ITIE, que voici. Voilà. Vous voyez là. Mon ami, je suis heureux que tu sois venu. Je t'avoue que je ne comprends rien dans cette histoire. Mais avec ITIE, cela va nous aider à comprendre, n'est-ce pas? En tout cas, avec moi, vous saurez tout ici au village. Et avec le CNITIE, toute la Côte d'Ivoire saura combien on gagne avec notre pétrole, notre gaz et l'or. Ce comité a déjà fait sortir un premier rapport, 2006-2007, avec une production de 50 000 barils de pétrole par jour. La Côte d'Ivoire a gagné environ 275 milliards de francs CFA. Monsieur Coutois, et l'or là, c'est comment? Je suis venu pour vous dire tout. Je ne vais rien laisser. En tout cas, il n'y a pas seulement que l'or. Il y a aussi le fer, le diamant, le manganèse, etc. Mais il faut dire qu'à cause de la crise, le CNITIE n'a pas pu avoir toutes les informations sur ses ressources. Ah oui, je comprends maintenant. Oui. Monsieur Coutouan, oui. Dites-nous ce qu'on a gagné les autres années. Très belle question. Bon, le CNITIE vient de faire sortir trois nouveaux rapports, 2008, 2009, 2010. Et tous ces rapports nous donnent des informations sur ce que la Côte d'Ivoire a gagné avec le gaz, le pétrole et l'or. En fait, c'est comme à Boussan. En 2008, avec une production de 16,5 millions de barils de pétrole et 54,5 milliards de pieds cubes de gaz, l'État, après avoir vendu sa part, a eu 289,5 milliards de francs CFA. En 2009,
l'État a eu près de 120 milliards de francs CFA. Ah. Enfin, en 2010, l'État a eu près de 120 milliards de francs CFA. En fait, ce n'est pas tout. Ce que vous devez savoir, c'est que toute la production de gaz qui revient à la Côte d'Ivoire sert à produire de l'électricité et le gaz butane pour les ménages. La Côte d'Ivoire a créé une société pour produire du pétrole et du gaz avec les autres sociétés installées ici. C'est Petrosi. On applaudit. Monsieur Coutoin, oui. Nous au village ici, là, c'est l'or qui nous intéresse. Pour nous, là, c'est comment? Excusez-moi. Tout doit vous intéresser. Oui, il n'y a pas que l'or. Il s'agit de toutes les ressources de la Côte d'Ivoire. Et donc cela doit intéresser tous les citoyens. Pour revenir au secteur minier, comme vous le voulez, en 2008, avec une production de 2,8 tonnes d'or, l'État a eu 1,6 milliard de francs CFA. En 2009, l'État a eu environ 6,2 milliards de francs CFA. En 2010, l'État a eu 7,3 milliards de francs CFA. Est-ce que les sociétés et le gouvernement ont dit la même chose sur les années passées? Il y a eu des différences, comme l'indique le rapport. Ah bon? Et ce même rapport a dénoncé certaines choses. Vous voyez, c'est pourquoi il est intéressant de faire litige en Côte d'Ivoire et même ailleurs. Parce que cela nous fait éviter certaines choses. Et tout va devenir clair. Vous savez, avec le Conseil national litige, si tu as fait mauvais aujourd'hui, là, même dans 10 ans, ça va sortir. Non, ça, il n'y a pas de maçon. Attendez. Et le rapport ne dit rien du manganèse, du diamant et autres? Bon, il faut dire que à cause de la crise qu'a connue le pays, il nous était interdit de produire et de vendre le diamant. Mais pour le manganèse, il y a une phase expérimentale à Bondoukou. Et l'exploitation a véritablement commencé qu'en 2011. Donc on aura les informations dans le prochain rapport ITIE 2011. Monsieur Coutoin, oui? Si les données vérifiées de l'année 2011, le gaz et le pétrole que nous avons vendu, pourquoi tu ne nous parles pas de ça? Bon, en fait, vous pouvez avoir les données vérifiées 2011 qu'à partir de juin août 2012. Et donc vous allez connaître les données vérifiées ITIE 2011 qu'en fin 2012 ou début 2013. Et ce sera la même chose pour les autres années. Vous voyez que maintenant, avec le Conseil national ITIE, chaque trimestre, vous pouvez avoir une idée de la production du pétrole et du gaz. Ça t'applaudit, les gars. C'est vrai. Chérie, comment la Côte d'Ivoire dépense tout l'argent qu'elle gagne dans le pétrole, le gaz, le fer et tout le reste? Ce que je sais, ITIE ne dit pas où va l'argent pour l'instant. Il appartient à nous les citoyens, ONG ou personnes physiques, de demander au gouvernement. Donc c'est à nous-mêmes d'aller vers le gouvernement pour parler de ça? Effectivement, c'est possible. Parce que nos frères des pays voisins le font déjà. Ah. Ils ont mis en place une stratégie pour répartir l'argent de leur or. Et puis il n'y a pas palabre. Ça c'est vrai. Et cela va nous permettre de créer des usines, de développer l'agriculture et même d'aider nos jeunes frères et les hommes de ce pays, aussi bien dans les villes qu'au village. Comme ça, l'argent de tout le monde n'ira pas dans les poches d'un seul individu pour qu'il aille s'acheter des villas et des voitures. Ça, c'est Atomoli, la voix des femmes. Là, je te reconnais, là. Hein. Il y a Maurice qui brûle. Donc, j'ai oublié. Attends. Atomoli.